Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Blizzard of Souls qui sera certainement un des derniers. J'annonce, voilà, ça fait 6 ans maintenant que je fais du BBS et je viens d'aller voir sur mon compte YouTube créateur, enfin sur, vous savez, l'interface YouTube créateur là, j'ai 91 vidéos de BBS qui ont sauté, qui sont bloquées dans le monde entier. Parce que ben la guerre sanglante de Milan, c'est très bien que ça sorte. Je suis très très heureux que ça sorte. Mais apparemment, y a une énorme purge sur le contenu de Bleach sur YouTube. Merci Disney qui distribue, hein, bien sûr. Voilà, donc je suis un peu écœuré, je vous avouerai. Pour ma chaîne YouTube, après, comme je dis, je suis très très content que la guerre sanglante de Milan sorte. Même si je sais que beaucoup de gens sont déçus, je regarde les épisodes en ce moment. Voilà, il y a les 7 premiers qui sont sortis au moment où je tourne cette vidéo. Mais je vous avouerai que j'ai plus la niaque, en fait, de faire du BBS. Je joue toujours, hein, je joue toujours le soir, hein, je fais toujours ma partie, mais tourner des vidéos, sachant qu'il y a une grosse partie de la série, en fait, qui est poubelle, quoi, que soit je me bats contre des moulins à vent à essayer de les faire débloquer, soit je les retourne, mais tourner 91 vidéos, donc 91 heures de vidéos, j'ai pas envie. Je vous dis clairement, j'ai pas envie. Donc voilà, je suis un peu écœuré, je vous avouerai que je commence cet épisode un peu écœuré. C'est... voilà. Bon. Oui, je vais arrêter de dire voilà aussi, je sais. Bon, voilà. Chapitre 1, Dictionnaire d'Escution, les bases. En plus, on va avoir du Escution, c'est pas le truc le plus ouf. Mais bon, après, on se fera des tirages. On va essayer de faire ça vite pour aller faire des tirages après. On sort toujours ça de... On sort toujours ça de prix. Pourquoi je fais ça? Donc, Bleach Brasso, je vous le dis honnêtement, ça va ralentir. Et on fera peut-être plutôt les gros arcs, quand les gros arcs sortiront. Et les histoires secondaires, on va laisser ça un petit peu à la trappe, je vous avouerai. Salut, aujourd'hui je vous parle des Fullbring et d'Exclusion. Un petit merci, ça ne coûte pas plus cher. Merci Riruka. Alors je suis désolé aussi, je suis enrhumé, hein, donc je parle un petit peu du nez. Alors nous on possède une aptitude particulière, on est né comme ça. Ce pouvoir nous permet d'extraire l'âme de la matière et de l'utiliser, et on appelle ça le Fullbring. Quand je dis nous, je parle des gens qui possèdent ce pouvoir, le Fullbring. On nous appelle les Fullbringers. Les membres d'Execution ont chacun un Fullbring qui leur est propre, d'accord. Une petite démonstration et tout sera clair. Allez, je vous permets d'entrer. Le Fullbring, c'est formidable, admirez. Cet espace trop mignon autour de nous, c'est le pouvoir de mon Fullbring, Dollhouse. Alors plutôt impressionnant, hein? Mais attention, ce n'est pas tout, ce n'est pas juste mignon. Bon, vous avez compris, le Fullbring, c'est incroyable. À partir de la prochaine fois, je vous présenterai les membres d'Execution. Les retardataires seront punis.
Bon, je vais vous présenter un premier membre d'Escution. Entre, tu as ma permission. Excusez-moi. Oh, mais c'est Ariruka, c'est ta dollhouse, donc c'est Guirico. Hein. Tu me donnes vraiment la permission d'être ici. À titre exceptionnel. Et pour te remercier, quand j'aurai fini de parler de toi, tu me serviras à bonté. Et bien présenté de cette façon. J'aime bien la musique très rock hein, derrière. J'espère qu'elle va pas nous faire strike. Le Fullbring de Guirico s'appelle Time Tells No Lies. Il est capable d'imposer toutes sortes de conditions soumises à un chronomètre. Ça implique par exemple qu'il peut donner un handicap à son adversaire, c'est super pratique. Oh, c'est loin d'être si simple. Une fois qu'une condition a été fixée, même moi je peux plus l'annuler. Et si on la viole, on est réduit en cendres, consumé par les flammes du temps. La moindre erreur peut conduire à la mort, c'est un pouvoir difficile. Tiens, je pense à un truc. Quoi donc? Avec ton pouvoir, en fait, c'est facile pour toi de réchauffer un thé qui a refroidi, non? Si tu pouvais éviter de comparer mon pouvoir à un four micro-ondes... C'est vrai qu'il est extrêmement complexe en vrai le pouvoir de Guirico. Bon, on passe à un second membre d'Escution. Allez, je te permets d'entrer. Bon, Ginjo, hein. Dis donc, Riruka, ne me fais pas entrer là-dedans sans prévenir, c'est déstabilisant quand même. Comme si tu étais du genre à te laisser surprendre par si peu. Bref, lui, c'est le leader d'Escution et il s'appelle Kugo Ginjo. Attends une minute, pourquoi tu me présentes en deuxième? En général, le leader passe en dernier, le meilleur pour la fin. La musique, je sais pas pourquoi, me fait penser un peu à du Nirvana. Dans l'idée. Dans certaines sonorités, elle me fait penser à du Nirvana. J'y peux rien, moi, aujourd'hui, à la planque, il n'y a que Guirico et toi. C'est comme ça que tu te justifies. Après, il reste qui? Jackie, Yukio... Chad, on peut le compter comme ça. C'est évidemment Ichigo, mais... En même temps, ils sont pas nombreux, les Fullbringers. Ah oui, puis il y a... Si, il y a... Tsukishima et son pote, là... Oh, c'est bon, je continue. Le Fullbring de Ginjo s'appelle Cross of Scaffold. Pour se battre, il transforme son collier en une grosse épée. Après, bon, il sait faire pas mal d'autres trucs, mais comparé à Guirico, son pouvoir est simple à cerner.
Je frappe et je tranche mon adversaire avec mon épée. Pas la peine de faire une démonstration interminable. Toi, t'es le contraire de mignon, barbare. Tu es comme ton pouvoir, carré, prêt à foncer dans un mur. Eh ben, t'es gonflé, toi. Moi qui avais justement acheté des pâtisseries qui avaient l'air bien dans ton genre quand je suis sorti tout à l'heure. Hein, des pâtisseries. Ouais, au magasin qui a ouvert devant la gare. Comment ça s'appelle-t-il déjà? C'est la pâtisserie à laquelle je pense. Oui, mais quelqu'un comme toi ne veut sans doute pas de cadeau venant d'un barbare comme moi. Il a le sens de la répartie, Ginjo, hein. Je suis désolé, c'est sincère, comme ça, ça va. Allez, fais passer les pâtisseries maintenant. Elle est terrible! C'est tout? Ok. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Bah écoutez, c'était vraiment vite plié. Du coup, tirage. On a quelques tickets à utiliser. Hop. Voilà, on a déjà 3 tickets 5 étoiles à utiliser. Donc ce sont des 5 étoiles garanties, mais est-ce que ce seront des nouveaux 5 étoiles? Là est toute la question. Ah, c'est Madarame. Ouais, bon. Donc je l'ai déjà. Cayenne, j'ai déjà en plein d'exemplaires, je l'ai Cayenne. Ah, c'est un... Ah non, c'est Zumari. Bon, pas ouf les 5 étoiles là. Ok, on a 2 tirages de 4 5 étoiles à faire. Et après, quelques tickets de Brave Souls. Oh bon, ok, d'accord, ça c'est fait. Là, 5 étoiles là. Oh mais non! Oh j'y crois pas, on a claqué 20 tickets de 4-5 étoiles et on a eu que des 4 étoiles. Bon. Ah. Mayuri. On a Libelle. Aizen, non? Ah non, Byakuya. Ah non, c'est Sodeno. Parce que c'était Onana. Pas de nouveau 5 étoiles. Que des 5 étoiles que j'avais déjà. Allez, on se refait un autre tirage. Oh bah. Bah comme ça, c'est réglé, hein. Bon. Bah super. Super. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais économiser, hein. Je vais économiser.
J'économise mes orbes. On va passer aux loteries de con, du coup. On va essayer de tirer un maximum de... de volonté de Goku, du coup. Une volonté. Deux. Quatre. Cinq. Ça tombe pas beaucoup, hein. Six. Six. Un moment. Sept. Huit et neuf.
Pour le moment, on est à 9. Je vais chercher ce qui reste. Bon, j'aurais utilisé quasiment 100 000 points. Hein. Donc on est à 9 hein, actuellement. Excusez-moi, je crois que j'ai tapé dans le micro. Onze. Douze. Bon, malheureusement que 13 volontés du Hogyoku. Ça nous met un stock à combien ça? Non, c'est pas là, c'est un personnage. Bah, ça va, j'ai un petit peu de stock, mais c'est pas ouf, hein. Après niveau perso, comment vous dire, plus les 5 étoiles que j'ai récupérées, ouais, bah en soi non, j'ai quasiment plus rien à, ouais, donc il y a juste les persos que j'ai récupérés aujourd'hui qu'il faut que je upgrade, enfin que je monte 6 étoiles. Donc là en soi j'en ai 6 et 9, 18, 21. Quand j'aurai maxé tous ces personnages là, j'aurai utilisé 21 volontés du goût. Voilà. Et puis de toute façon il va falloir que je fasse du feed parce que j'ai saturé ma réserve.
Voilà, je m'occuperai de ces feeds plus tard. Enfin, de ces cartes événements plus tard. Est-ce qu'il me reste encore. Je peux encore feed un perso. Ouais, feed Alibel. Honneur aux dames, j'ai envie de dire. Ah! D'accord. Bon, bah voilà. Bah écoutez, sur ce, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé de ne pas être dans un bon mood vis-à-vis de cette série. Mais ce n'est pas grave, hein. D'autres séries sortent. Actuellement, vous avez les jeux Rusty Lake qui sont en train de sortir sur la chaîne. Je vous les recommande si vous ne les avez pas vus. Même si je sais qu'avec The White Room, on commence un petit peu par un peu de mauvaise ambiance. Mais les autres jeux Rusty Lake qui suivent après sont très bien et vous mettent dans une ambiance waouh. Et les autres jeux qui suivront après Rusty Lake, voilà, je vous prévois plusieurs séries qui vont venir là dans les mois qui viennent. Donc voilà, donc BBS, j'ai envie de dire que voilà, hein, on continue un petit peu à faire des vidéos dessus, mais une page se tourne clairement. Merci Sony Japon, hein, bien sûr. On les remercie, hein, tous, voilà, on en pense que du bien. Pas du tout. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais aller rager sur un autre jeu. Hein, voilà. Tiens, je vais lancer un The Crew, tiens. Non, je déconne.